petite chatte est allée à 157 km au-dessus de la surface terrestre. Sa nuit plus Félix, spatial, ont entrepris d'étudier ses réactions pendant un parcours en fusée. Docteur, à quelle expérience vous livrez-vous maintenant sur cette petite chatte? Actuellement. Comment est-ce qu'on arrive à avoir ces émissions? Et c'est le pire. En regard de l'air de projection sensorielle spécifique. Et d'autre part, en regard à la partie basale du cerveau au niveau de l'hippocampe et au niveau de la formation. L'expérience en l'air confirme celle du sol. L'animal est parfaitement calme. Les signaux reçus auraient été illisibles. La pointe signale d'elle-même son point d'atterrissage. Bonjour Félicette, bon voyage. Dans les laboratoires du CERMAT, et voici une récompense bien gagnée, on n'a même pas l'air de se précipiter. On est vraiment une chatte bien élevée.